sommes-nous dignes d'être appelés Congolais? Sommes-nous dignes d'être enfants de ce grand Congo? Dans des conditions de météo que vous voyez ici, qu'on abandonne des citoyens congolais déplacés de guerre dans des conditions aussi inacceptables. L'État est absent et nous-mêmes, la solidarité nationale, elle est absente. Nous ne pouvons pas, nous, on a vu en Israël, dans moins d'une semaine, toute une nation s'est soudée. Opposition, majorité, les réservistes, tout le monde, la nation s'est soudée. Que nous soyons dans un pays où les gens prennent 56 millions et qu'il y ait des compatriotes qui manquent même des bâches qui coûtent 8 dollars dans la ville de Goma. J'en appelle à la solidarité nationale parce que le gouvernement n'existe pas. Je ne vais même pas parler de ce gouvernement-là. J'en appelle à la solidarité nationale entre Congolais. Papa Vani Bishweka, Papa Moussa Nganya, les grandes sociétés comme Temka, Alpha Mine et tout ça. Une bâche coûte 8 dollars. Nous savons où elle va. Nous ne vous demandons pas l'argent. On peut vous mettre en contact avec ceux qui vendent des bâches pour que vous puissiez, de vos propres grès, donner des bâches. 1000 bâches, c'est 1000 familles sauvées. 2000, c'est 2000 familles sauvées. 1000 bâches, ce n'est même pas 10 000 dollars. Faisons quelque chose. Regardez les conditions dans lesquelles les gens dorment. Regardez comment les gens vivent. Faudra-t-il que nous disions que nous sommes dignes de ce grand Congo, nous? C'est vraiment dommage, c'est déplorable. Et ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Ça fait très mal, la solidarité. Nous prions les églises, Arche, Sifemsi, je ne sais pas, de grandes églises. Une collecte spéciale pour sortir les gens de cette souffrance. Elle est impossible, elle est difficile. Même Dieu, il dit l'amour du prochain. Ce n'est pas l'amour de ton frère, de l'église ou de ton frère, de la famille. C'est celui-ci, ton prochain. C'est vraiment dommage. C'est des choses inadmissibles dans un pays normal. Merci beaucoup.